Oui, bonjour. J'ai découvert récemment donc, cette étude sur les polyphénols d'huile d'olive chez des diabétiques, qui est très impressionnante parce que avec 6 gélules de polyphénol d'olive, olivier, jaune, force, on obtient non seulement une régularisation partielle des paramètres glycémiques, glycémie à jeun, et aussi l'hémoglobine glyquée qui surveille à long terme les montées du sucre dans le sang, donc ce qui est recherché évidemment en priorité chez les diabétiques, mais aussi en même temps, en quelques mois, en 4 mois, on a une diminution tout à fait significative du poids, ce qui est très important parce que le surpoids est une causalité du diabète. Donc ça veut dire que non seulement on a un effet thérapeutique dans le diabète, mais on a un effet sur la physiopathologie du diabète. Voilà, et troisième point très intéressant, c'est l'amélioration globale du profil lipidique. La baisse des triglycérides, du mauvais cholestérol LDL et la montée du bon cholestérol HDL de retour. Donc là, je pense que ça s'impose, que ces polyphénols doivent faire partie intégrante de la prévention, mais encore plus du traitement du diabète.